allait bien. Et ici, ça a été une semaine. Je vais baisser un peu le son. Là, ma fille écoute son coco melon, comme d'hab, parce qu'il n'y a rien d'autre qui marche à part ça. C'est ça. Ça a été une semaine assez difficile. Eva, elle a fait deux otites et un gros rhume, donc test COVID pour la journée de sa fête. Je suis en train de perdre ma robe de chambre. Je me dénuderai pas sur YouTube. Mais ouais, elle a été malade comme pendant trois jours intenses. Après ça, ben je l'ai gardée avec moi toute la semaine. Je l'ai zéro envoyé à la garderie. Et ça a été up and down. Elle a pas dormi ben. En tout cas, fait que là, on s'en remet tranquillement. On est remis, mais c'est sa routine qui est pas remis du tout. Là, il est sur antibiotiques, fait que ça va super bien. Fait que c'est pourquoi que j'ai pas vlogué. J'ai essayé de vlogger plein de fois, mais pour vrai, ça marchait juste pas. Là. Eva, tu as demandé. Là. Fait que je veux dire, je priorisais mon enfant au lieu de la caméra. Là, c'est normal. Puis, elle était vraiment toute la semaine dans mes bras. Là, fait que. C'est ça. On a pris ça plus cool, mais c'est pas grave. Dans le fond, les salons dans mon coin peuvent réouvrir à partir de lundi. Fait que j'ai pris ça relax pour la dernière semaine, puis je recommence officiellement à travailler lundi. Fait que je suis trop contente. J'ai contacté toutes mes clientes, fait que toute ma semaine est déjà bookée. Puis si vous êtes mes clientes, juste vous dire que c'est ça. Je vais quand même m'écrire. Il me reste quelques dispos pour le mois de mai avant le déménagement. Sinon, vous pouvez attendre le déménagement pour voir le nouveau salon. Parce que je sais que vous êtes pas mal plusieurs à m'écouter puis vous venez au salon. Puis c'est ça. À part ça, désolé ma voix. Là, il est comme. Pourtant, il est 8h20. Là, on est réveillés depuis un bout. Mais... J'ai une petite voix d'endormie. Vraiment, Coco Melon, ça me sauve tellement la vie, là. C'est incroyable, y a rien d'autre. Sinon, Eva veut pas jouer avec ses jouets. Sinon, c'est mes bras. Mais là, maintenant, les bras de maman, ça va faire. Fait que... je vais me couler un café, je vais nous faire des toasts au beurre de peanut. Rien de plus simple. Puis après, on va commencer la journée, le plan de match aujourd'hui. À matin, je dois aller au salon. Je vais y aller à pied, probable. Il fait beau, y a pas de l'air à mouiller. C'est nuageux, mais tu sais, c'est pas des gros nuages de pluie. Fait que je vais aller chercher des produits pour la fête des mères que je dois emballer pour des clients. Puis, c'est ça. Après-midi, Mathieu va revenir ici. Fait qu'on aimerait ça faire le ménage de la roulotte parce que, mine de rien, ça commence dans deux semaines. Puis, on n'a rien préparé dans la roulotte. Fait que je vous montrerai un petit peu la roulotte, mais pas monter rien. C'est ça que je vous disais. C'est pas long que madame peut s'en tenir. Fait que bref, c'est ça. On va faire le ménage de la roulotte. J'ai comme vraiment hâte de casser le camping. Là. Ça va nous faire du bien de prendre des petites vacances la fin de semaine. Oui. Donne à maman. Merci, mon amour. Fait que voilà. Je vous emmène dans notre petit week-end en famille, encore. Puis je vous laisse parce que elle ne se peut plus. À tantôt. Bon, je viens de sortir de la douche. Et je vais mettre mes soins du moment. Puis on va se préparer. Puis on va se préparer à partir pour aller chercher les produits à pied. Fait que j'applique ça, mon contour d'yeux. Puis je vais me maquiller un peu, là, ça va comme me motiver à faire ma journée. J'ai pogné un petit down après vous avoir parlé, j'ai mangé, puis c'est vraiment drôle. Là. C'est sûr, c'est les hormones, puis la fatigue accumulée, mettons. je viens pour envoyer un Snapchat à mes amis que je sais vous écoutez ça, mes amis, mais vous le verrez jamais parce que. C'est censé être un Snapchat comme drôle à propos de comme une situation, mettons.
Puis ça a avéré que je l'ai compté, j'ai failli l'envoyer, puis je suis partie à pleurer. Mais genre, pleurer là, de tristesse, là, mettons, très intense. Puis là, j'ai dit, ok, non, mais moi, je voulais que ça tourne à la blague. Puis là, c'est en train de virer comme que ça me fait vraiment pas plaisir. Fait que, genre, je l'ai enlevé, là. T'sais, je l'ai pas envoyé parce que, pourtant, je filais pas pour rire, finalement. Là. Mais, oh my god, j'ai pleuré tout le long de ma douche. Là, je suis correcte, là. Toute l'émotion est sortie, mais je pense que c'est toute l'émotion de cette semaine que j'ai ressorti aujourd'hui. Je vous avouerai que c'est ça. Je suis vraiment fatiguée de ma semaine. Tu sais, dimanche, j'étais la fête à Eva. Eva a eu un an. Eva a tombé malade pour la première fois. On rapprend que c'est l'ouverture des salons, c'est la fête des mères. Ma fille, c'est une semaine. Que je vous cacherai pas que elle est difficile, là, c'est ça. C'est comme Eva, genre, next level, là. Elle demande donc, là. Je veux pas être méchante, mais comme c'est ça. Ne mets pas tes produits dans la toilette. Non. Non. Eva, maman l'a dit quoi? On ferme le couvercle. Bon. Mais tu sais, t'as un ange d'explorer aussi, fait que, comme vous pouvez voir, c'est tout le temps des noms, des ça, mais c'est correct, là. C'est juste que, je sais pas pourquoi je me sens dépassée même cette semaine, là. Je suis comme, voyons, t'es pas de même d'habitude, let's go. Mais tu sais, faut dire que je suis enceinte aussi, là. Faut que je me laisse une chance. J'ai réussi à me préparer au travers de Eva qui a fait la crise du bacon. Faut pas choisir. Fait que là, je vais juste vous montrer la dernière étape. C'est de couleur, j'arrête pas d'en parler, mais c'est un fixatif à FPS 30. Pour vrai, je trouve que c'est la nouveauté la plus nice au monde. Puis, genre, tout le monde devrait avoir ça dans sa vie, là. Parce qu'on sait que c'est important de se protéger du soleil. Surtout là, on est plus dehors et tout. Je vous conseille vraiment ce spray-là, c'est vite fait, on peut pas l'oublier. Merci beaucoup mon amour, on peut pas l'oublier, c'est on the go. Ça fixe le maquillage et voilà, mon maquillage est fixé. En plus d'avoir mis un FPS. Fait que c'est ça, là on va s'habiller, puis je parle. Bon, ok, fait que je vais vous montrer ma BDN. Pendant que Eva essaie de s'endormir, mais là vraiment, elle dormira pas. Ok, fait que ma BDN ressemble à ça. Là oui, je sais, j'ai un sapin qu'il faut que j'aille pas en bas, mais je suis pas là encore. Fait que voilà, j'ai... je vais vous le montrer de même. On dirait que je me dénude. Ouais, comme ça, on le voit un petit peu, là, le petit bump. J'ai 18 semaines et 2 jours. Donc, elle est vraiment sortie, là. J'ai l'air d'une femme enceinte, là. Ouais. Voilà. Fait que ça va super bien. J'ai les hormones un peu plus dans le tapis, puis je commence à le sentir bouger. De plus en plus, là, je commence à sentir des petits coups légers, mais tu sais, c'est rien de... C'est rien encore de gros, là. Mais ça s'en vient, fait que... C'est ça, ma bédaine qui pousse. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Là, j'ai vraiment plus rien à mettre. J'ai toujours pas fouillé pour trouver mes jeans de maternité. Fait que là, je ne vis que sur les leggings quand il fait froid. Fait que j'ai hâte qu'il fasse beau pour que je puisse mettre plein de robes parce que je suis genre écœurée d'être en leggings. Fait que j'ai vraiment hâte que ce soit l'été pour mettre des jupes, des leggings. Ça va être pas mal semé ensuite. Là, je vais me commander des t-shirts. Et des t-shirts comme loose que je vais remonter tout le temps au-dessus de ma BDM. Puis qu'est-ce qui me manquerait? Ben là, c'est sûr, je vais checker sur H&M, genre des biker shorts, des robes, des choses comme ça. Puis ça va être pas mal ça, là. Tu sais, je m'achèterai pas full d'affaires, là, parce qu'on s'attend qu'une grossesse, ça dure pas longtemps. Puis, tu sais, on capotait, moi, pour mon chum, parce que, tu sais, vu que je vais avoir une césarienne, j'étais à 18,2 jours, fait que à... Dans le jeudi prochain, j'ai genre la moitié de fait. Pour ma grossesse à moi, je parle, là. Parce que, tu sais, je vais accoucher avant 40 semaines. Fait que, je capotais. Genre, moi, j'ai pogné mon 2 minutes comme cette semaine, à quelque part dans la semaine, que j'étais comme. Non, 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 non. Je ne peux pas avoir la moitié de fait, là. Non. Ça va trop vite.
Puis là, mon chum hier, il a pogné sur 2 minutes parce qu'il était comme. T'es rendu à comment? Je dis 18.2, puis il était comme. Non. Là, j'ai dit, ouais, c'est ça, là, dans genre. Attends un peu. Là, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Dans 5 mois, j'ai dit, même pas. Tu sais, dans 4 mois, on a un bébé, là. Dans 4 mois et demi, mettons. On va ignorer les petits cris d'enfants en arrière. Fait que là, j'étais comme, je sais, man, ça va trop vite. On était genre, oh my god. Ouais. Fait que un deuxième, c'est comme paniquant tellement ça va vite. C'est que t'as pas le temps de réaliser, je pense, puis paf, t'as un deuxième, genre. C'est fou. Mais tu sais, on est prêt, mais en même temps, genre, on panique un peu, là. Mais je pense que c'est normal, là, c'est dans l'étape de. C'est dans notre tête là, parce que tu sais on sait c'est quoi avoir un enfant puis on sait c'est quoi la charge de travail fait que tu sais veux pas t'es ça rend quand même c'est quand même stressant même si c'est beaucoup d'amour tu sais je sais que je vais exploser d'amour mais comme je sais que je vais rusher ma vie aussi là fait que c'est spécial comme feeling comme c'est spécial à vivre je dirais fait que voilà le petit update j'attends vraiment qu'elle dorme. Ce qui va se faire dans quelques minutes, là, elle est partie, c'est ça, sur les crises avant de s'endormir. Mais elle finit tout le temps par s'endormir. Elle faisait ça jeune aussi, là, genre une grosse crise de, genre, même pas de 2 minutes, là. Ça dure 2 minutes, même pas. Genre, elle hurle sa vie 1 minute, puis après, elle s'endort. Fait que c'est ça. Elle va s'endormir, puis elle va faire une belle sieste. Après... On va aller à pied à mon commerce pour que j'emballe les cadeaux. Puis après, on va dîner. Fait que Mathieu devrait arriver dans ces temps-là. Je suis un peu tannée qu'il travaille les samedis, mais faut que je m'y fasse. Ça va être ça tout l'été. Sauf quand on va être en camping. Fait que c'est fun parce qu'on va partir aux 2 semaines. Fait que on a vraiment hâte de décrocher. Là. Tant qu'à être dans la josette. Je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup pour tous vos beaux mots que vous m'avez écrit ça sur Instagram, ça sur YouTube ou ça en privé sur Facebook concernant mon accouchement. Donc, c'était vraiment des beaux mots et des beaux récits que vous m'avez contés. Sérieusement, ça m'a touché le droit au cœur. J'avais tout le temps les yeux pleins d'eau. Comme, tu sais, des accouchements comme ça, c'est ça, on veut pas en entendre parler avant d'accoucher, puis c'est normal. Là, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est comme beau à entendre, là, mais c'est la réalité. Puis tu sais, je pense que les femmes qui vivent des césariennes d'urgence devraient être mieux accompagnées pour l'après, le postpartum. Puis tu sais, même celles qui n'ont pas de césarienne d'urgence ou d'accouchement, tu sais, celles qui ont un accouchement normal peuvent le vivre. Mais je pense que celles qui ont une césarienne d'urgence, c'est encore plus... voyons. Ils ont plus de risques de faire un postpartum plus difficile à cause, tu sais, du post-traumatique, si on veut, là, tu sais, moi, j'étais vraiment en choc traumatisme après avoir accouché. Pas que j'aimais pas ma fille, mais ma fille représentait la douleur que j'ai vécue. Je peux dire ça comme ça, fait que mon corps et mon esprit, ils étaient comme... Genre, ils me bloquaient d'amour juste pour me protéger, si on veut. J'étais juste trop épuisée, puis tu sais, je veux dire... Je l'aimais, mais cet enfant-là a failli me coûter la vie, pareil, là. Fait que, tu sais, c'est dramatique comme ça, mais c'est ça, pareil. Fait que, tu sais, oui, tu l'aimes, mais comme... T'es juste, genre, tellement épuisé que t'es comme, j'y arriverai jamais, là. Tu sais, mettons, je verrai jamais le bout de ça. Mais, tu sais, celles qui viennent de le vivre ou tout ça, tu sais, juste vous dire que... On s'en sort vraiment bien, tu sais, garder la preuve. Après 6-7 mois, j'étais prête à refaire un enfant, puis comme, j'étais en paix avec mon accouchement, j'étais comme, tu sais, c'est notre histoire à nous, à moi puis Eva, tu sais, j'ai développé un amour inconditionnel pour elle, tu sais, ça, c'est venu, mais moi, plus tard qu'une, peut-être qu'une maman, comme, qui a accouché naturel ou des choses comme ça. Puis tu sais, c'est tout à fait normal de vous sentir comme ça, mais c'est juste que je trouve qu'on n'est pas bien accompagnés là-dedans. Les infirmières sont pas... c'est pas leur job de faire ça. Fait que c'est juste vous dire qu'il y a sûrement des ressources à quelque part pour vous faire aider, puis je vous le conseille vraiment de vous faire aider, parce que tout seul on peut pas y arriver sans outils, là. Même si on veut être des superwomen,
je pense que des fois, on a besoin d'un petit coup de pied de plus. Puis, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à une sage-femme ou une maison de naissance ou des choses comme ça pour vous sentir libéré de ces émotions-là, parce qu'il faut que vous les vivez, ces émotions-là. Enfouissez-les pas, puis gardez pas ce silence, parce que c'est vraiment important pour votre enfant puis pour votre famille de ne pas négliger la dépression postpartum ou peu importe le terme là, que vous voulez, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de n'en parler. Vous pouvez même venir m'écrire si vous voulez, ça va me faire plaisir. Là, j'arrête vraiment de vous parler parce que c'est effrayant comment j'ai parlé. Puis je crois que Eva s'est presque endormie, fait que je vais commencer à ramasser la maison. Puis on s'en charge tout. Bon, j'ai mis tout mon corps et mon ménage a été interrompu par deux personnes. Premièrement, Chanel, c'était très drôle. Il aurait fallu filmer ça, c'était excellent. Dans le fond, je passais ma balayeuse avec de la musique dans le fond. Puis, genre, est arrivée en douce. Mais ça m'avait texté, mais j'avais pas mon cell, fait que j'étais. Voyons, je regardais pas mes messages. Fait que. Rentrée, puis elle était comme Marjo, mais moi je passais à la balayeuse, puis j'étais full concentrée. Et elle m'a fait un sacré saut, là. Genre, j'ai steppé ça. On a ri. En tout cas, c'était vraiment drôle. Puis, deuxièmement, la vidéo, il a coupé. j'ai plus de caisse, puis mon sel, il envole d'un bord, puis de l'autre. Et je le tiens en ce moment, et de toute façon, je l'enregistre au salon. Deuxièmement, c'est ça. J'ai texté ma mamie tantôt parce que j'aimerais ça refaire ma plate-bande. Puis, dans le fond, je savais pas si ça pouvait à quelque part cette semaine ou whatever. Mais j'ai dit, quand tu auras deux minutes, j'aimerais ça que tu viennes voir avec moi pour qu'on fasse ma plate-bande parce que je connais rien là-dedans. Puis, j'aimerais ça avoir une belle plate-bande. Puis, elle m'a dit que son chum, dans le fond, il était parti à Québec. Fait qu'elle avait le temps de monter et venir me voir. Mais elle est arrivée comme là. ben tu sais, c'est correct là, mais c'est juste que c'est ça, c'est comme l'heure du dîner à Eva, puis en tout cas. Fait que là, elle s'occupe d'Eva pendant que je viens chercher mes produits. Puis on va faire ça toute l'après-midi. Ça va être quand même l'ouvrage. Je vous cacherai pas. Mais au moins Matt qui est là, fait que j'espère qu'il va m'aider un petit peu. Il va creuser puis tout ça. Fait que je vais essayer de vous montrer ça au travers. Puis je vais essayer de vous parler des achats que j'ai faits aussi. Dimanche matin, joyeuse fête des mamans à vous. Ce matin, je me suis préparée un petit
pas. Je voulais prendre des belles photos avec Eva. Ça a pas marché. Elle a hurlé tout le long, fait qu'on est allé la coucher. J'ai publié quand même une photo, là. J'étais comme, bon, regarde, c'est la réalité, écoutons. On n'aura pas de photo Instagram, mais bon. Fait que c'est ça, le plan de match. On va essayer de clencher le ménage. Genre, sérieux, cette semaine, j'ai dû m'essayer comme pour vrai minimum 10 fois. Ça a jamais marché. Ma fille, sérieux, ces temps-ci, là. C'est quelque chose. Fait que là, on en va essayer à deux de clencher tout le ménage. On devrait être capable. Dans sa sieste, s'il nous reste du temps, on va aller commencer le ménage de la roulotte. Puis je vais vous montrer le résultat de ma plate-bande aussi. Puis c'est sa journée quotidienne, là, on va aller faire l'épicerie. J'ai une commission à aller faire, puis voilà. Fait que là, je vais m'y mettre pour le lavage parce que j'en ai pas fait de la semaine. Fait que c'est un peu le bordel. Fait que je m'y mets, puis on se ressource tantôt. Mais je voulais vous dire une joyeuse fête des mères avant tout parce que je voulais pas l'oublier. Donc, c'est ce que ça donne la plate-bande pour l'instant. C'est pas super beau, là. Mais c'est ça. C'est comme assez grand. Puis là, il y a de la terre qui revole. Fait qu'il faut la nettoyer. Mais dans le fond, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 plates-bandes qui vont pousser, puis tu sais, ça va être quand même gros. Ça va comme grossir à peu près jusque là, puis devenir ça d'eau. Et même chose ici, c'est peut-être un petit peu plus petit, mais tu sais, c'est ça, elle m'a dit désespacé parce que comme ça allait devenir gros. Et là, probablement que je vais acheter de la brique, puis je vais en mettre tout le long de ma plate-bande pour que ça fasse un fini plus propre. Puis il y a ici que je veux finir aussi. Ça, c'est moi qui les ai plantés l'année passée. C'est comme des fougères. Ça, je sais même pas c'est quoi. Ça, c'est des fougères. Puis ça, je pense que c'est des jaunes, là. Fait qu'en tout cas, je vais attendre que ça pousse. Puis je vais faire un ménage ici pour continuer jusque-là. Fait que voilà. Ok, c'est ça. Je voulais vous le montrer parce que je vous l'avais comme pas montré hier. J'étais tombée trop fatiguée. Oups, j'étais à contre-jour. Fait que là, il est 11h à peu près et quart et demi. On attend qu'Eva se lève. Puis on va aller faire des commissions. Puis je vais vous reparler après. Je vais sûrement vous montrer l'épicerie puis tout ça. Fait que ça va être un dimanche très relax, mais qui fait très du bien aussi, puisque je recommence à travailler demain. Fait que je veux vraiment que tout soit prêt pour ma semaine. Fait que voilà, en espérant que ce soit la dernière fois que je ferme, parce que c'est vraiment stressant de tout en recommencer puis de refaire nos horaires. Fait que sur ce, ce matin qui concocte une recette de rib cake. Short ribs. Je mélange tout le temps les deux. Une côte vite. Ouais. Puis on va manger ça avec une purée de patates et panées. C'est ça? De quoi? De purée patates et panées. Ouais. Dans son nouveau barbecue. Ok, voilà. Fait que moi, je pense que je vais commencer un peu le montage. Tant qu'à faire. 11h18, ouais. Fait que je pense que je vais faire ça. Bon, on vient de revenir de l'épicerie. Fait que je vais vous montrer ça en vitesse rapide. Puis on va en profiter pour aller faire le ménage de la roulotte parce qu'Eva est pas là. Fait qu'on va faire le ménage vite vite pour l'ouvrir. Je vais essayer un café infusé à froid du Tim Hortons. Tout le monde prend ça ce temps-ci. Puis j'avais envie de dégoûter mon sucre. Je sais pas si... Ça c'est bon. Mais c'est quoi la... Vous me direz en commentaire, là, je suis vraiment nouille. Rien du café frais, non. Mais c'est quoi la différence? Infusé à froid. Un qui coule dans la cafetière, là, dans le filtre. Il est froid. Ben oui, c'est ça, il est juste pas chaud. Mon chum est aux toilettes en passant, je m'excuse. Ok, fait que, tu sais, mettons, quand tu demandes un café glacé, il est chaud avec la glace? Puis quand tu demandes un café infusé à froid, il est juste froid. Oui, c'est ça. Quand il est infusé, dans le fond, dans le filtre, il est froid.
Il est pas chaud. Ok. C'est comme ça. Fait que c'est quoi la différence vraiment? Ben, je sais-tu, moi. Je te demandais pas ça à toi, je parlais à mes abonnés. Je sais que c'est ça différent, mais au bout, je sais pas si. Si vous le savez, parce que, mettons que vous êtes des grands connaisseurs de café, vous me le direz. Ok? Voilà. Fait que je vais me coucher moins niaiseuse une fois que je vais savoir, mais. C'est ça. Fait que je suis allée chercher du usagé. Il y a une fille qui a mis ça en story. Puis j'ai acheté des petits bavards comme ça pour mon futur petit garçon. Puis j'ai acheté sa petite soupe d'hiver. Fait que une petite Colombia comme ça noire. Elle est toute propre. Ça va être parfait pour futur bébé. Là, dans le fond, tu sais, je sais qu'il va être beaucoup dans sa coquille. Puis je vais y acheter une housse. Mais c'est pour si on va en traîneau avec Eva puis des trucs comme ça, ben au moins il va avoir sa soute. Fait que j'ai payé ça comme 66$. C'est pas cher. Elle est belle là, tu sais. Parfait ça. Ouais. Bon. Ça a coûté cher, mais c'était toutes des affaires genre grosses qu'on avait besoin. Ça a coûté 214,50$. Ça coûte cher ce temps-ci, l'épicerie. Là. Fait que premièrement, on a acheté un 5-15 comme ça de camping pour se faire un menu vraiment estival. Là. Ça a l'air vraiment bon ce qu'il y a dedans, pesant. La salade. Fait que c'est juste pour nous donner des idées de repas à faire en camping quand on va partir. J'ai racheté des puffs à Eva. On a acheté, pas intéressant, on a mis du papier de toilette. On s'en fout. Des filtres à café. Ravineur pour Eva. De la laitue. Des petits pois. Du lait 3.25. Là, il a mis les sacs. Des fraises. Des pommes. Du piment. Des bananes. Là, vous ne me voyez pas, hein? Ok. des poitrines de poulet. Des bavettes de bœuf. C'est sûr qu'on a acheté beaucoup de viande aussi, là. Fait que ça monte vite. Du bouillon de bœuf en canne. Du Monterey Jack. Des petits gogo squeeze comme ça pour Eva. De la mayo. De la salade de fruits pour Eva. Du yogourt. Du lait de coco. Des framboises. Je vais comme tout couper les fruits, puis les laver, puis les mettre dans un gros pot. Pour cette semaine, du spag. Oignons rouges. Piment. On a des patates douces. J'ai acheté ça ici du Starbucks, le macchiato. De café pour rehausser le café. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Ça doit ressembler à la lichée, là, ce que je mettais déjà dans mon café, mais j'aime tout le temps tester des nouvelles affaires puis ce qui est populaire sur les réseaux sociaux. Fait que voilà. Du jus de citron. Un rutabaga. Crème de champignons. Du beurre de peanut. Un melon d'eau. Un sac de popcorn déjà fait parce que je fais lâche. De la morue congelée comme ça. On va se faire des fish and chips au courant de la semaine prochaine. On a acheté du veau haché. Juste parce que j'ai plus de place. Un autre lait. Ah, ça c'est mon sac. Je vais t'acheter trois couleurs. j'en ai pris un à la limonade. Un à la sangria et un au thé glacé. Fait que voilà. Puis des atypiques des spritz. Sans alcool. Puis on a acheté des couches et de l'oxyclin. Mais là, ça c'est pas fou intéressant. Fait que moi je me dépêche à serrer ça. Puis on se reparle dans la roulotte. On va vous montrer ça. Ah, faudrait.
Matt est en train de mettre la musique, fait qu'on va vous montrer la roulotte pas propre, là, elle est pas lavée, rien. Fait que quand on entre, comme ça, on a la petite entrée. Et ici, dans le fond, il y a les fauteuils que vous avez vus dans ma cave, ils viennent ici. Mais nous, on en met juste un, puis on met le parc là. Mais de toute façon, vous allez voir, mais qu'on part là dans 2 semaines, qu'on part, je pense. Fait que c'est ça. Là, on l'avait pas fermé l'année passée, on n'est pas fiers. mais c'est ça, il y a des poils là, de mon chien. Fait que là, je vais tout passer dans la balayeuse, puis la machine à tapis pour toute la vie, là. Pourquoi? Le froid, il a pogné vite maintenant, hein? L'hiver a pogné, puis on n'est jamais revenu. Ouais, c'est genre ça. On l'a nettoyé vite, puis on a laissé faire. Fait que, dans le fond, on a un divan là, la TV est là, le truc qui est là. Et comme ça, on a plein de petits rangements. Puis, on a une belle cuisine comme ça, avec la banquette qui se transforme en lit. Fait que plus tard, Eva, c'est là qu'elle va dormir, puis bébé 2 va dormir. Là, les enfants vont dormir ici. Là, on a le divan, le garde-manger, poêle, micro-ondes, puis ce qu'on a aimé, coup de cœur de cette roulotte-là, c'est qu'il y a vraiment gros de comptoir, puis la champlure. Fait que c'est ce qu'on a vraiment aimé, puis ce qu'on a, tu sais, notre critère, c'était vraiment qu'il y ait de l'espace, là. C'est comme, je suis assise ici, puis c'est très, très grand. C'est le fait que la cuisine est dans le fond, ça l'encombre pas tout le reste de la roulotte. Fait que c'est ça qu'on a aimé de cette roulotte-là. Puis là, si on continue. Ah, Mathieu est là. Ici, c'est la toilette. Fait que ça, c'est un moins. Ben, un plus puis un moins, dans le fond. Le moins, c'est qu'elle est vraiment minuscule. Mais tu sais, elles sont toutes petites, mais elle est encore plus petite, je pense, que la moyenne. Hein? Ouais, ben, c'est que. Il n'y a pas de bain. Ouais, c'est ça, c'est pas un bain douche. Fait que pour les enfants, c'est moins pratique. Mais Eva, on va y acheter un bac, puis on va la laver dans le bac. Mais dans le fond, il y a la toilette, puis la champlure. Mais ce qui est pratique, c'est que ça se joint à notre chambre. Fait que notre chambre est ici. Là, il n'y a pas de drap de mi, rien. Il y a juste la housse. On l'avait-tu lavé, la housse? Oui. OK. Bon, fait qu'il y a la housse comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça va full profond, là. Fait que je mets souvent mes bagages, là. Fait que c'est ça, la salle de bain est adjointe à notre chambre. Fait qu'on réveille pas tout le monde qui dort, dans le fond, pour aller faire pipi. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir notre roulotte. Puis la petite salle de bain, dans le fond. Puis ici, ben quand on ressort, ben on vient ici. Fait que voilà, la petite roulotte familiale qu'on s'est achetée l'année passée. On l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une 2015, si je me trompe pas. Fait qu'elle est assez récente. Il y a des speakers Bluetooth. L'auvent est neuf et électrique. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités plus récentes. C'est sûr que c'est des couleurs de roulotte. C'est pas Pinterest, là. Puis, j'ai pas pris le temps de la décorer. Puis, je pense pas le faire encore cette année. Je t'enseigne. Puis, tu sais, moi, je veux juste profiter. Là. Je m'en fous un peu de quoi qu'il y a de l'air, ma roulotte en dedans. Là. Sérieusement. Mais je trouve ça hot le monde qu'ils font là, tu sais, comme Alexandre Larouche qui le fait, c'est malade là, mettons. Avoir eu le temps, c'est sûr, c'est ça qu'on aurait fait. C'est sûr qu'on aurait acheté une petite roulotte pour le répimper, mais mon chum, il aime mieux acheter comme plus neuf si on veut, là. Fait que, puis c'est bien correct là, fait que voilà, notre roulotte. Donc on va la laver, puis après je pense que je vais conclure mon vlog parce que, là-dessus. Parce que je pense qu'il va avoir été assez long pour en fin de semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé me suivre dans mes petits travaux. Puis on se dit à la prochaine. Donc pour un prochain vlog qui devrait être la semaine prochaine pour mon retour au travail. Donc bye bye!